aura mieux fait d'interner. Il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Si son kiff, c'est ni la chasse ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les tubes et l'interarme. Vous serez votre officier de liaison. Bienvenue dans l'opération Kingslayer. Le briefing a parlé d'un contingent d'autochtones. Ouais, les Qataris 26. C'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. On va voir leur chef, Pac Qatari, une fois au sol. Les Boliviens portent pas les Yankees dans leur cœur, mais cette fois, j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Mais lui tournait pas le dos, il n'y risquerait pas. Quatre soldats. C'est ça l'aide dont vous me parliez, dont Sandoval parlait. Un seul Yankee meurt, et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman ? Voici Pac Qatari. Chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru ? Tu l'as trouvé ? Amaru est l'un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ses idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance, organisée contre la Santa Blanca et la corruption, n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est ? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de l'ISA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chasse. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention à ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions.
C'est l'heure de mériter votre solde. Allez, au boulot. J'avoue, ça me défrise un peu de collaborer avec Pak Katari et ses rebelles. Leur idéologie, c'est le genre à finir en bain de sang à tous les coups. T'en penses quoi de cette OP, nomade ? Franchement, tout ça, c'est qu'une vengeance. Faut qu'on boucle cette histoire vite et bien avant de se retrouver le cul coincé entre les magouilles politiques et les balles du cartel. Premier objectif, retrouver le lieutenant de la Santa Blanca pour remonter jusqu'à Amaru. Je vote pour. Venez. Diront que la Santa Muerte est une religion malveillante, morbide et dangereuse. Ce que moi je dis, c'est que la morale ordinaire n'est vaut que... Esto es
¡Ese vato! Radio Santa Blanca, con DJ Perico. ¡Dale, vato loco! ¿Qué pasa? Je suis un monstre. Ce sont leurs machinations qui m'ont créé. Le marché de la cocaïne. Baissez vos armes, pas la peine de les effrayer. Ils sont jugés bons de l'implanter dans la société américaine. La cocaïne a financé toute la guerre en Amérique latine. Mais depuis que les cartels ont cessé de leur être utiles politiquement, ils cherchent à faire de nous les méchants de leur mascarade. Ils nous reprochent d'être cruels et violents. Mais ils ne valent pas mieux que nous. Les gouvernements et les cartels n'ont pas le même... Si ces types de la résistance ont la carrure pour tout ça. T'inquiète, c'est pas la première fois qu'on bosse avec les indigènes. Ils seront là quand ça comptera vraiment. Ouais, faut voir. N'empêche, la plupart, c'est des planteurs de coca et des ex-dealers. Ils ont jamais combattu pour de vrai. Mais la guerre, ils connaissent. Ils connaissent le terrain et l'ennemi. On peut compter sur eux, faut juste leur montrer qu'on est là pour les couvrir. J'espère bien. Sinon, on est 4 contre 3000. Eh, ça pourrait être pire. Ah ouais? On pourrait être 4 contre 4000. Mais quand on achète la médecine, c'est aussi une dépendance que l'on achète. Nul n'est assez ignare pour se retrouver accro par accident. Non, la dépendance donne un sens à la vie, donne à l'individu une dimension nouvelle. Il ne vagabonde plus ici-bas avec un vide dans l'âme. Y confort de alto nivel, solo para usted, que sí sabe cómo disfrutar. On peut y aller. Chers compatriotes, vous êtes assis confortablement chez vous, vous revenez du travail pour retrouver votre famille, et vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez vous soucier du combat de l'Unidad contre la menace rebelle. Vous vous dites sûrement que vous n'avez pas à vous plaindre, qu'ils ne s'en prennent qu'aux étrangers, mais c'est faux. L'enjeu de cette guerre contre les rebelles, c'est la liberté de la Bolivie. Les investissements étrangers encouragés par le gouvernement ont élevé le niveau de vie des Boliviens. Plus important encore, ils ont donné aux plus ambitieux l'opportunité de créer leur propre affaire et de pourvoir aux besoins de leur famille. Nous autres Boliviens, nous sommes un peuple pacifique. Nous croyons à la coexistence paisible avec notre prochain, en l'harmonie avec notre terre. Mais nous voulons l'harmonie d'une société libre. Pas... Activité ennemie sur zone. Déploie le drone.
La cible ne doit rien voir venir. Fixez vos silencieux. En plein dedans. Repérez le lieutenant du cartel. C'est lui qui sait où se trouve Amaru. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Ok, j'y vais. À ton signal. Ennemi à terre. J'ai repéré un autre ennemi. Là-bas, c'est un sicario. À côté du Mirador. A descargar, vatos.
Je suis prêt, quand tu veux. Là-bas, un sicario avec un pistolet mitrailleur. En plein dedans. Cible abattue. Coopérez, todo saldra bien. Pinche cabron. Passe, 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 pisse. Ok, du con. Tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde. Comprenez? Faut te calmer, putain. Qu'est-ce que tu veux? Amaru, je le trouve où? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. Non, il y a problème. Il est à Tolo Farm. Vas-y, tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi. Faut pas traîner. Amaru est pas tout jeune. Il tiendra pas longtemps sous la torture. Eh merde. Si ça se trouve, ça fait déjà un bout de temps qu'ils l'ont crevé. On n'en sait rien. Amaru, c'est pas n'importe qui chez les rebelles. Le cartel va vouloir le garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait. Je veux pas tenter le diable. Y a beaucoup trop en jeu. On y va. J'en vois un autre. Jamais 203.
signal. Ouvre le feu. Putain, ça craint, bloque-toi. Hey, hay unos pinches soldados ya que está aquí, merito. ¡Siembren a todos esos puntos! Allez, on décolle. Le cartel va pas attendre bien gentiment qu'on aille sauver Amaru. Par ici, c'est bon. Deux secondes, je prends le volant. Informatif. Tu ne trahiras point la Santa Blanca. Faites pas chier le soignant, les gars! Justement, écoutez un peu ce que Fantré nous dit de bon sur le sujet. Inca Kamina. Je vous en prie! Pitié! Pitié! À vous. Et peut-être que la Santa Muerte te pardonnera tes péchés. J'ai rien du tout! Dios mio! Mon pied! Rendez-le moi! D'accord! C'est moi qui ai donné au Colombien un chargement de super coca. Mais c'était trois fois rien. Voilà, ça se passe comme ça quand on se croit plus malin que la Santa Blanca. Et maintenant, un vieux tube. Spécial dédicace à Jorge. Si vous êtes le dixième auditeur à donner le titre, vous gagnez sa montre en or. Les Boliviens ont pas l'air super ravis de nous voir. Ça t'étonne? Si quatre types armés jusqu'aux dents se pointaient dans ton salon, tu te jetterais dessus pour leur rouler des pelles? S'ils étaient aussi canons que moi, sûrement. Les locaux seront moins tendus du slip quand on commencera à démanteler les bastions du cartel. Ils sont nombreux à devoir beaucoup au cartel. Travail, logement, nourriture, médicaments, et même la religion. On est mal barré. Faudra la jouer futée, histoire de gagner la guerre psychologique. Quand le cartel commencera à vaciller, ils changeront de bord.
J'en vois un autre. Il te voit. En plein dedans. Ils sont en alerte. J'attaque l'ennemi. Je crois qu'on vient de tomber sur une fusillade entre le cartel et les rebelles. Nettoyez. Si on file ces marchandises aux rebelles, on sera dans leurs petits papiers. On est parti. Allez-y, je vous rejoins. Et pourquoi, me demanderez-vous? Parce que Yuri voulait bon, qu'il fasse plus attention à elle. Ça a marché, faut croire. Et c'est là-dessus que s'est épanouie leur histoire d'amour attendrissante et gerbante à la fois. Oh. Salut tout le monde, c'est DJ Perico, Crachoir, pour vous donner la bonne parole. Les derniers jours ont été un peu agités. Même que la Santa Blanca a fait la une des journaux chez les Yankees. Pas dégueu pour une entreprise criminelle, hein? En même temps, c'est pas ce qu'on cherche. On aurait pu éviter ça si on s'était serré les coudes. Vous avez peut-être jamais vu Ricky Sandoval, mais vous savez tous qui c'est. Le bras droit du patron, l'homme qui lui soufflait à l'oreille, celui qui rendait la justice et tout le bordel. Vous êtes peut-être pas au courant, mais Ricky se comportait bizarrement ces derniers mois. Bon, ça arrive à tout le monde de taper un peu trop sec dans sa réserve personnelle. Mais quand on a un pote qui force un peu trop sur la défense, on lui file un coup de main. Si quelqu'un s'était donné la peine de faire ça pour l'ami Ricky, connaissance, quoi. Alors, on se serait peut-être rendu compte que cet enculé roulait pour la DEA. Merde, quoi. Serrez vos amis de près. C'est le seul moyen de savoir s'ils veulent vous entuber. Eh, je te dédicace ce prochain morceau, Ricky Sandoval. Si je savais où était ta tombe, j'irais... On arrive à Atolio Farm. Rappelez-vous, la plupart de ces sicarios sont des anciens de l'armée. Identifiez vos cibles. Si Amarus prend une balle, l'opération Kingslayer tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. C'est parti. Le drone a décollé. Je vois une deuxième cible. J'en vois un autre, ça fait 5. Alguien ayúdeme a salir de aquí. Là, deux porte-flingues du cartel. Fais voir où ils sont. Là, dans la grange. Je vois un narco du cartel, près de la remise. Deux sicarios. Je les vois nulle part. Là, devant la grange. J'engage l'ennemi. Soldados, hijos. Tienen de flow esos
que esté empezando. ¿Qué fue ello? ¿Qué chingamos esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Ils arrivent droit sur nous. Hey, j'ai trouvé une caisse d'armement. Joli tir. Allez, on fait le ménage et on... Ah ouais, ça je prends. Quel mec est muerto? Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Todavía no estamos a salvo. Pero Dios le pagará esto que ha hecho por mí. ¿Vos êtes Amaru? O plutôt, ce qu'il en reste. Venez, on va vous sortir de là. Venez. Dégagez, on se retrouve là-bas. Où est-ce que vous m'emmenez? On vous ramène chez vos amis. Alors, Pat Katari a passé un marché avec Los Malditos Gringos. Quel petit con. Voyez ça avec lui, seigneur. Chez DJ Perico. J'ai l'immense plaisir d'accueillir notre héros Stetson, notre saint des réseaux sociaux, mi compadre La Plaga. Hey, muchas gracias, DJ Perico. Merci de m'avoir invité. Chingon Carla. Tout le monde parle encore de la vidéo que t'as postée le mois dernier. Si, si. C'est vrai que c'était carrément balèze. Accrocher ce type la tête en bas avant de le découper. Comment t'as pensé à ça? Merci pour le compliment, DJ Perico. En fait, je lis beaucoup. L'intellectuel français Georges Bataille a décrit en détail diverses techniques de torture. Et comme il le dit lui-même, il y a là-dedans une dimension particulièrement érotique. Et c'est justement cette dimension que j'essaie de développer pour nos téléspectateurs. Donc en gros, t'es pas bien dans ta tête? La nette, ah si, mon frère. Oye, pendejos. Arrêtez tout et écoutez la bonne parole du sage El Sueño. Un jour, un jeune garçon m'a demandé « Qu'est-ce qui fait un bon sicario ?» Je n'ai pas tout de suite su quoi répondre. Il n'y a pas d'offre d'emploi pour devenir sicario. On le devient par recommandation d'un frère de la rue, d'un camarade de prison qui voit en vous un potentiel, quelque chose qui lui plaît. Mais ce garçon qui me posait cette question
Qu'est-ce qui fait un bon sicario? Voulait savoir qui il serait, qui il allait devenir. Il faut cultiver bien des qualités. Le courage, la force, la précision, l'intelligence. Très rares sont ceux qui ont tous ces atouts. Mais le fait est qu'aucun n'est indispensable pour faire un bon sicario. Tout ce qu'il faut, c'est de la loyauté. Envers la Santa Blanca, envers la Santa Muerte et envers moi. Quand un homme jure fidélité à notre cause, il reçoit les autres traits de caractère dont il a besoin. La loyauté lui donne l'intelligence de faire fortune, la force de déplacer les montagnes, la précision nécessaire pour tuer. Et si un homme me jure fidélité, je lui jure la mienne en retour. Il partagera le fruit de notre cause et aura sa place dans notre paradis. Celui qui nous refuse sa loyauté, en revanche, subira le même sort que le traître Ricky Sandoval. Il mourra dans la douleur, en hurlant jusqu'à ne plus avoir de poumons, puis il sera jeté dans la boue, comme le déchet qu'il est. Ça y est. Une seconde, il y a une caisse d'armement. Joli. Salut.
otros gringos. Tu es blessé. J'ai eu droit à l'hospitalité du cartel. Ces Aucas, ces démons qui m'ont interrogé. Disons que le roucoulement suffisait à me faire vomir. Voilà. Mais leur méthode n'était pas... Comment dire ? Il s'appelait Yuri Hippolyto ? Oui, Yuri Hippolyto. C'est ces enfoirés qui ont torturé Ricky Sandoval sous les yeux de soignants. Cela, je les veux. Tout ce qu'on a vu, c'est des sicarios en sauvant un marron. Mais je n'ai pas vu Yuri Hippolyto depuis au moins 3 jours, peut-être 4. Je sais pas ce qu'il prépare. Il faut qu'on se rencarde. On fouillera chaque village, chaque camp, jusqu'à trouver une piste. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Fouillez la province, piratez leur système, interrogez les lieutenants ennemis, parlez aux civils. Faites ce qu'il faut. On va passer le coin à la loupe. On a le dossier de Bowman sur Yuri Hippolyto en cours de transfert. C'est le dossier sur la Yuri et Hippolyto. Ils font partie intégrante de la filière sécurité du cartel. Pensez à consulter le briefing de Bowman sur leur hiérarchie. Le responsable de la sécurité, c'est El Muro. Le Mur. Garde du corps personnel et ami d'enfance d'El Sueño. Le petit frère d'El Muro, c'est La Plaga. Une belle ordure. Très actif sur les réseaux sociaux. C'est le sicario en chef du cartel. On est parti. Si on veut Sueño, il va falloir remonter progressivement jusqu'à lui, en commençant par Yuri et Hippolyto. On récupère les intels. On localise les cibles, on les élimine.